Daniel Morin, c'est à vous. Oui, il est jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Rodrigue dans le site de Corneille ? Non, Jordan Bardella dans Rassemblement National de Marine Le Pen. Qui est donc Jordan Bardella ? Eh bien, figurez-vous que ce garçon de 23 ans, porte-parole de Dame Marine, va peut-être devenir la tête de liste du Rassemblement National pour les élections européennes. C'est quoi son CV à Jordan Bardella ? Aujourd'hui, brillant étudiant en géographie, le vigoureux Jordan est jeune, certes, mais façonné dans le plus solide des convictions. Jordan Bardella a pris sa carte du FN à l'âge de 16 ans. À 20 ans, il est tête de liste et élu de Seine-Saint-Denis au régional de 2015. Lecteur averti, il aime particulièrement les plumes sévères, mais justes, de Patrick Buisson et Éric Zemmour. Jeune, mais entrepreneur, il a monté le collectif Banlieue Patriote. Jeune, mais avec le sens de la patrie et de l'ordre, il a fait de la question de l'identité et de l'immigration ses thèmes de prédilection. La relève est bien là. Ah, bienvenue à toi, patriote Bardella. Ah bah oui, tout est vrai, hein, sinon c'est pas drôle. N'empêche que, waouh, chaud devant les enfants, chaud devant. Le même, c'est quand même un sévère. Hein. À 16 ans, prendre sa carte au FN, c'est bizarre, non? En tout cas, c'est un sacré signal que tu envoies à ton entourage. Hein. En gros, dans la cour de récré, ça veut dire « Attention, je suis un malade, je suis un fou, je suis en carte au FN, si vous me faites chier, je vous dénonce. Je sais pas à qui, mais je vous dénonce. » Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Je suis sûr qu'il y a une explication. S'il vous plaît, donnez-moi une explication. Comment est-ce que Jordan en est arrivé là? Je vais vous le dire, les amis. Installez-vous confortablement. Jordan est un garçon timide mais heureux. Il aime jouer avec tous ses petits camarades. Puis un soir, il tombe à la télé sur un discours de Marine Le Pen. Il est affolé, horrifié, il est terrorisé. Il a peur que des hordes de migrants viennent lui voler son pain au chocolat, son cartable, son travail. Et puis il le tue. Pour Jordan, c'est clair, comme dans le conte de Prokofiev, les migrants, c'est le loup. Et comme dans le conte, il se dit qu'il ira capturer les migrants, qu'il les renverra chez eux. Le problème, c'est comment faire? Les migrants sont si nombreux, et lui est si seul. Un soir de Noël, celui de ses 16 ans, il reçoit un cadeau de Dame Marine du FN qui a entendu parler de lui. Il ouvre le paquet et là, surprise! C'est une poupée. Une poupée pour un garçon de 16 ans. Au départ, Jordan tique. Il tique, mais il s'intéresse tout de même à cette poupée. C'est une poupée Barbie, le modèle Klaus, la Klaus Barbie. C'est la révélation. Ni une ni deux, il se précipite au siège du FN et tombe dans les bras de Dame Marine qui lui offre sa carte d'adhérent. Jordan a trouvé sa voie. Il progresse au sein du parti à la flamme tricolore. Il entreprend des études de géographie pour mieux comprendre les flux migratoires. Et demain, il deviendra peut-être un de nos fiers députés européens. À bientôt les amis pour une nouvelle explication de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Au revoir. J'adore ça, les contes pour enfants, moi. Ça fait peur, mais ça finit souvent bien. Enfin, j'espère. Oh, lui, c'est tout le contraire. Ah, il a tout du super-héros qui rassure. Quand il sort de boîte tous les matins vers 6h45, ah, qui n'est pas encore démaquillé, certains l'appellent évidemment Nicolas. Oui, Demorand, qui à 8h20 recevra François Sureau pour parler bois exotique et frangipane, ça va de soi. Non, vous avez confondu Wonder Woman, c'est Léa, voyons.